Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc on va aller en mode solo et on va essayer de trouver le coffre, le coffre pirate que j'ai toujours pas essayé. J'ai trouvé où est-ce que c'était exactement. Donc c'est le bloc de Hellraiser, un truc du genre. Je pas trop vu le nom en entier non plus, je l'ai vu en vidéo pour le moment. Mais du coup on va pouvoir aller là-dessus. Et se retrouver en jeu pour essayer de le découvrir en fait où est-ce qu'il est exactement. Alors voilà, du coup on est dans la salle d'attente et on va un petit peu attendre. On va essayer de s'entraîner un petit peu quand même. Donc là il y a une petite... Ah merde, ok. Alors bloc de Hellraiser. Bloc de Gingerjay. Faut essayer de trouver juste où est-ce qu'il est sur l'île à peu près là. Merde, je vois pas où est-ce qu'il est. Vraiment, je vois pas. Shobby Shores, Polar Bear, Frosty, Happy Helmet, Shifty Shops, Tilted Tower, Little Roll, Ludley Lodge, Paradise Palms. Putain, ils l'ont enlevé ou quoi? J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont enlevé. Sunny Steps, peut-être. Bon, du coup, je sais pas où est-ce qu'il est, vu qu'on le voit même pas. Bon. Je me suis fait larguer tout en bas en tout cas. Hop, voilà, du coup on va aller vers le volcan. Ouais, quoique non, la piste de carte, on peut rester, de toute façon on est juste au-dessus. On va atterrir ici forcément. Et les autres aussi vont atterrir là du coup. Enfin, tous les derniers comme moi. Qui sont... ouais, non. Non, là je vois personne pour le moment. Ok. On va aller sur un toit. Parce qu'il y a généralement, voilà, là il y a quelque chose. C'est bon, c'est juste des munitions. Mais hop, là aussi c'est juste des munitions. Aïe. Ok, heureusement que j'ai eu aucun dégât. Oh! Yes! Heureusement que j'ai eu aucun dégât. C'est quelle arme? Pompe, fusil à pompe spécialisé, ok. Et ouais, là il faut remettre. Ah! Ouais, non, attendez. C'est voilà, on va mettre là-dedans. Parce que du coup, va falloir se déplacer. Ok, what? Une salle de gaming? Mec, ah non, une salle d'hypnose sinon. Genre les mecs ils sont hypnotisés par les écrans. Putain. Ok, non, je sais pas, non, c'est plus une salle de gaming, ça se voit. Avec tout ça. D'ailleurs, on peut tout casser rapidement. Ah, c'est par bloc de 3 qu'ils sont. Et là, les chaises, deux coups. Deux coups et puis ça se casse, c'est pas solide. Mais bon, après on casse avec une pioche quand même, donc dans la réalité... Oh, il n'y a pas de fenêtre. Dans la réalité, ça serait pareil peut-être. Là-dedans... Oh, une piscine. Parfait, on va se baigner dedans. Merde, ça fait rien. Voilà, comme ça. On se baigne dedans. Personne ne voit. Non, je rigole. Et là, on peut pas monter des... Ok, il faut sauter juste pour monter. Alors, là, oh, un pistolet. Ok, un pistolet. On va changer l'emplacement entre les deux et remettre le point là. Il faut que, ouais, faut vraiment que j'enlève le contrôle justement où j'appuie sur la touche molette, clic molette, que ça mette le curseur en même temps que ça s'ouvre l'inventaire. J'ai entendu une, je crois que j'ai entendu une voiture. Klaxonner. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il y a un mec dans le coin. Il y a un mec dans le coin. On est d'accord. Oh putain! Non, salaud, je t'ai mis 42 dégâts. C'est la première fois que j'avais mis des dégâts à un mec. Excepté le kill. Ça, ouais, c'est à part le kill. Mais c'est en vrai, c'est la première fois que j'ai réussi à mettre des dégâts à un mec. Donc la preuve que je m'améliore peut-être. Ou alors c'était un coup de chance, mais j'avais jamais réussi avant. Donc on va dire qu'on s'améliore, c'est mieux. Parce que c'est mieux que de dire que j'ai juste eu un coup de chance. Mais ouais, putain. C'est abusé ce truc. Ah. Je sais même pas combien ça... 40, c'est 40 points de vie, je crois. Ouais, donc en gros, il en avait 100 au total, sans doute.
J'aurais dû lui mettre trois coups comme ça et puis il était mort. Bon, il m'a tué plus rapidement, mais d'ailleurs je savais même pas si c'était mitraillette mon arme, donc au début j'ai essayé de faire avec juste mode arme non mitraillette, donc à cliquer plusieurs fois. Mais après je crois que c'était mitraillette, donc j'ai essayé de rester appuyé, mais je suis mort juste à ce moment-là. Donc putain, c'est abusé. Allez. Bon, du coup, on sait même pas où est le coffre. Je vais essayer de voir. On va quand même essayer de voir où est-ce que ça peut être. What? Il y a un carnaval. Qu'est-ce que... What? C'est quoi cette traînée derrière? Il y a un mec invisible en plus sur la traînée. Ah non, c'est la danse. Oui, c'est vrai. C'est les mecs qui font la danse. Je me suis dit, il avait invoqué à une créature. Mais non, non, c'est bon, c'est juste une danse. Là... Ouais, il n'y a plus la map des... Bon, on va retourner là-bas. Voilà. Le fameux endroit où il y a nos bulles. Et on va aller dans le volcan après avec la bulle. Ouais, on va aller dans le volcan, même si il n'y a pas grand-chose comme item et les mecs vont les prendre. Devrait quand même rester quelques trucs peut-être. Parce que... Bah, il me semble que la première fois que je l'avais testé, il y avait quand même beaucoup de loot alors que c'était... J'y étais pas allé directement. Et là, il y a déjà un mec qui atterrit, ok. Il va essayer de me shoot peut-être. Et moi, si je passe sur le côté, est-ce qu'il va m'attaquer? Si je passe genre là, je me mets ici. Je me mets genre ici, pas sur le dessus du bateau, mais là. Comme ça, je rentre par là. Oh putain, l'enculé! Oh non! Oh, il m'a fait one shot avec son fusil à pompe. Moi, je l'ai fait juste un seul coup à la pioche. J'ai même pas fait gaffe combien je l'ai mis comme coup, mais c'était faible le nombre de coups que je l'ai mis. Donc, le mec, il m'a one shot. J'ai pas eu l'impression qu'il visait spécialement ma tête pourtant. Donc ça, c'est bizarre. Mais bon, ok. Ouais, putain, c'est abusé ce truc. Je veux vraiment. Et c'est, je veux tester avec la bulle du coup, nous emmener dans le volcan. Ça pourrait être drôle. Surtout que dans le volcan, on l'évite. Donc, faudrait voir en plus si on peut gérer dans le volcan avec la bulle. Ça pourrait être cool de voir les déplacements vu que pile dans le volcan justement, on l'évite dans les airs. Donc pourquoi pas. Enfin, on vole quoi. Et du coup, pourquoi pas. Essayer de voir avec la bulle ce que ça peut donner. Je vais pas tester avec un véhicule lambda. Faudrait tester avec des véhicules lambda aussi. Parce que ça pourrait être drôle du coup. Parce qu'on sait pas quoi quel déplacement ça va faire. Ça se trouve, pour la bulle, bon, ok, vu que c'est un truc tout rond, ça va pas spécialement tourner dans un sens ou un autre. Ou alors peut-être. Et du coup, on verra notre perso à l'envers ou des trucs du genre. Mais pour les autres véhicules, ça devrait logiquement tourner. Genre par exemple un 4x4. Ça devrait tourner en fait le véhicule parce qu'il devrait monter puis redescendre puis remonter comme ça. Enfin ouais, je sais pas si vous voyez le truc, mais du coup il devrait monter, redescendre, remonter comme s'il était sur un trampoline quoi. Voilà, un truc du genre, ou une substance qui est vraiment qui est quoi d'ailleurs, une substance qui est rebondissante. Alors là, ici. Merde, voilà, ici. Oh putain, je l'ai fait directement là pour descendre. Ok. Là, si je me mets ici, il devrait atterrir au bateau. Assez bas, dès que je serai assez bas. Donc ça devrait pas trop être un souci normalement. J'espère que je vais atterrir pile assez bas. Et pas trop bas non plus. Ok, hop. Et voilà. On va peut-être atterrir trop bas en vrai. Et ouais, je me suis jeté un peu trop tôt. Bon, là j'ai vu que j'avais un problème de wifi à gauche la première fois que je l'ai. J'espère que ça va pas trop déranger par rapport aux autres fois. D'habitude c'est même pas le logo de wifi. Vu que là en haut à gauche j'ai eu un problème de wifi qui s'est affiché. Bon, il y a à peine 1 minute en fait. Donc, j'ai pas trop envie que ça se répercute sur le jeu. Alors. Là, on a une arme à prendre. Tac, tac. Ok, parfait. Ok. Allez. Merde. Ah, il se barre déjà avec la bulle.
Il se barre déjà avec la bulle. Ça devrait être... Oh putain, what? Je les drop. Ah non, c'est bon. Ok, alors, est-ce qu'il y a des gens? Il y a un mec. On est d'accord. Aïe. C'est pas ici que je veux aller. Moi je veux... Ah voilà, il y a un escalier. Parfait. Parfait. Il est où? Attendez. Il est dans le coin. Il est dans le coin. Il est par là sans doute. Ouais. Il est là. J'espère qu'il y a personne qui va arriver par derrière. Contrôle gauche. Oh! Est-ce qu'il va me voir? Oh! Je sais pas s'il m'a vu. Putain. Oh, OMG. Allez, vas-y. On tourne. Ça se trouve, il va pas nous voir. Putain. Merde. Ok. Waouh. Ok, putain, non! J'ai mal fait le truc, en fait. J'ai fait le truc où ça nous fait nous barrer du canon. Putain! Attendez, mais du coup, là, il est en haut du pont, peut-être. J'ai pas de fusil avec viseur. J'ai pas moyen de savoir pour mieux viser. Mais bon, ok, j'ai réussi à me barrer, du coup. Parfait. Hop, voilà. Oh! Est-ce qu'il m'a vu? Oui, il m'a vu. Aïe! Allez! Meurs! Meurs, putain! Non, putain, enculé! Attends, il faut vraiment que j'apprenne à viser. Ah, le salaud. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Bon, putain, le salaud, faut que j'apprenne à viser, ouais. Parce que, bon, du coup, je meurs à chaque fois. Mais du coup, c'est en s'entraînant, donc ça devrait aller. Avec le temps, ça devrait aller, parce que c'est en s'entraînant en jouant, quoi. Bon. Bah du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez aimé, et d'ailleurs, je vais essayer d'éviter, du coup, la bulle. Ou les véhicules pour attaquer parce que du coup ça peut m'empêcher de bien apprendre à viser. Donc là ouais c'est un bon exercice. C'est un bon entraînement en tout cas. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dark Bo. Tchuss!